Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons commencer le Sefer Zmanim, le troisième livre du Rambam, donc Zmanim, des temps. Nous parlons aussi des fêtes. Le Rambam commence, Beshem Hashem Kelolam, au nom de Dieu, Dieu monde, Dieu du monde. Nachartit Votacha le Olam, j'ai hérité tes témoignages, tes mitzvot, le Olam pour toujours, qui se sont libis, héma, car ils sont l'allégresse, la joie de mon cœur. Sefar Shlishi, le troisième livre ou Sefar Zmanim, ce livre de Zmanim, il, Eser. il y a dix lois. Vous siduran, aussi voici l'ordre. Hilchot Shabbat, les lois de Shabbat. Hilchot Eiruvin, les lois donc de Eiruv. Hilchot Shvitat Asar, les lois, de, du du de Tichy, de Yantar, les lois du repos du dixième jour de Tishri, de kippour Hilchot Shvitat Yom Tov, les lois du repos du jour de fête. Hilchot Matza les lois de חמץ עד למצה, הלכות שופר וסוכה ולולב, הלכות שקלים, ללכות דנר דמיסיק, הלכות קידוש החודש, ללכות הסונקטיפיקציון דה מועה, הלכות תניות, ללכות דז'ן, הלכות מגילה וחנוכה, ללכות מגילה וחנוכה הלכות שבת, ללכות דה שבת, יש בכלל חמש מצוות אל קונטיאן סנק קומנמון, שתי מצוות עשה ושלוש מצוות לא תעשה, Deux mille commandements positifs et trois commandements négatifs. Les éopathes, alors voici les détails. la premièrement, l'ishbot shui de se reposer le septième jour de la semaine. Bet, chez le de ne pas travailler le septième jour de la semaine. Gimel, chez le shabbat, que le tribunal ne va pas punir le jour de shabbat, ne va pas donner la sanction le jour de shabbat. Dalet, shabbat, ne pas sortir hors de la limite pendant le Shabbat, on apprendra plus tard c'est quoi cette limite, et le Kadesh cinquième commandement de sanctifier le jour, de faire Kiddush, ce jour-là, le jour de Shabbat, bisri en se souvenant, et l'explication de ces cinq commandements-là, vont être dans ce chapitre-là. Le premier chapitre, Aleph, ne pas travailler, s'arrêter de travailler, le septième jour, c'est un commandement positif. « Le septième jour, tu vas te reposer. « D'un autre côté, quelqu'un a fait du travail ce jour-là. Le septième jour, « seve avara Et il a transgressé le commandement positif qu'on vient de voir. « Tu vas te reposer le septième jour. Et il a transgressé sur un commandement négatif. Lequel ?« Le septième lotase Tu ne feras pas de travail. » Qu'est-ce qu'il est coupable s'il a fait du travail Alors, pendant Shabbat, ça dépend. Comment il a fait ce travail Quand on dit comment, c'est-à-dire, de quel, de son point de vue, comment il est, dans quelle situation il était. S'il a fait de sa propre volonté, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcé. Et deuxièmement, c'était de manière tout à fait consciente, volontairement. Dans ces cas-là, il est « karet » il est coupable de retranchement. C'est une punition pour l'âme, punition aussi que la personne elle va mourir avant 60 ans. Comme il est dit, le tasse, pardon, le coupable de retranchement. Mais s'il y avait des témoins, et aussi les témoins l'ont averti, ils lui ont dit ne fais pas ça, car si tu vas faire ça, tu vas être coupable, tu vois, on, va, on va devoir te tuer, etc. Et lui, il a dit je suis conscient. Eh bien, Niskal, dans ces cas-là, le tribunal va le lapider. Veimas Abishgaga, s'il a fait involontairement, Chayav Korban khatat il est coupable d'un khatat, donc un sacrifice expiatoire, qu'ils appellent un sacrifice expiatoire qui est fixe. Fixe, contrairement à un sacrifice expiatoire qui est en fonction des moyens de la personne, s'il a les moyens, ça peut être de la, la farine, c'est une oblation, ou bien c'est des oiseaux, ou bien c'est un animal. Donc ici, c'est khatat vous c'est toujours le même khatat, le même sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a fait bishgaga sans faire exprès Sans faire exprès, c'est quelqu'un qui est conscient, qui fait du travail, mais il a oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Ou bien, il a oublié que ce travail-là a été interdit, interdit de faire pendant Shabbat. Ou bien... Qu'il ne sait pas si c'est la punition de ce travail-là, c'est carré de retranchement, ou bien ce qu'il a bien d'être lapidé. Ça, c'est quelqu'un qui a fait Béchogheg sans faire exprès. Donc, dorénavant, on a appris c'est quoi khayav, quelqu'un qui est coupable. On va pas traduire dans les halachot de Shabbat, dans le loi de Shabbat à chaque fois, c'est quoi le mot khayav, Chayav, donc c'est quelqu'un qui est coupable. Et après, il faut voir en fonction du contexte à chaque fois, est-ce qu'il a fait exprès de sa propre volonté et il n'y avait pas de témoin, donc c'est carré de retranchement. Est-ce qu'il y avait des témoins et l'avertissement Dans ces cas-là, c'est ce qu'il a, il est lapidé. Ou bien c'était Shogeg, donc il ne savait pas, c'était interdit ou que c'était Shabbat, ou il ne savait pas c'était quoi la punition. Dans ces cas-là, il est Chayav d'un Khatat vua d'un qui est fixe. Bet, Chot-Shabbat. Dans tous les endroits qu'on dira dans les, dans les lois de Shabbat, oh, c'est d'avoir des que cette personne elle est Chayav ariz chayav karet il chayav de retranchement Veima yusham beni vatera et s'il y a des témoins et avertissements chayav ski la il est coupable de d'être lapidé vei ma yashogeg s'il n'a pas fait exprès chayav chatat il chayav d'amener un sacrifice expiatoire diemel cholma comme shenomar chaque endroit qu'on dira et davarze patur celui qui fait cette chose là il est patur donc patur c'est que quelqu'un il est exempté il n'a rien à faire c'est pas il est, est pas Donc, dans la suite, on ira à chaque fois l'expression de patour, On ne va plus traduire dans les lois de Shabbat c'est quoi le patour. Donc, Arezé patour mina karet mina kilo mina korban. Lorsqu'on dit qu'il est patour, qu'il est exempté, c'est qu'il n'a ni le, le retranchement, ni être lapidé, ni le sacrifice. Aval. Mais le fait qu'il y a écrit patour ne dit pas que ça veut dire c'est permis. Aval asula shatot davar be Shabbat. C'est interdit de faire cette chose d'abord en Shabbat. Vei sou mi devir sofim. Et c'est une interdiction que les sages ont interdit. C'est pour ça que d'un côté, il est pas tour, parce que pour être khayab, c'est uniquement lorsque la Torah elle te dit qu'il ne faut pas faire telle et telle chose pendant Shabbat. Donc, cette personne-là, elle est pas tour du sacrifice ou du karet ou de la skila, ou d'être lapidée. Mais on s'est interdit quand même de le faire. Pourquoi les sages ont fait ça C'est pour éloigner la personne. De ne pas arriver, mettre une barrière pour pas qu'il va arriver à faire un des 39 travaux qui est interdit pendant Shabbat. À Oseoto celui qui le fait exprès, ce qui est interdit par les sages, Makin Otomakat On lui donne des coups de fouet pour le fait qu'il s'est rebellé contre ce que les sages ont dit. Vechen shenomar de même dans chaque endroit qui est dit, En on ne fait pas telle et telle chose. O Asur Karvekar, il est interdit de faire telle et telle chose pendant le Shabbat, eh bien là aussi, ne n'est pas qu'il est Chayav s'il a fait, mais encore une fois, c'est, il sera pas tour s'il a fait, mais c'est interdit. C'est pour ça qu'on dit cette expression-là. On ne fait pas comme ça ou bien c'est assour. Et dans ce cas-là, si la personne a transgressé en faisant exprès. Eh bien, on donne des coups de fouet pour le fait qu'il s'est rebellé contre ce que les sages ont dit. Par contre, dans tous les endroits, on dira moutar, c'est permis de faire telle et telle chose. Maintenant, on ne va plus traduire le mot moutar permis. Arresemuta le khatrila, c'est mutar le khatrila, a priori, de le faire, on peut aller le faire. Mais kenkroma comme Shenob, Shenob a demandé même dans chaque endroit qui a écrit, ennu khayav klum, il khayav de rien, au patou miklum bien il est pato de tout, enmakim toklal, on le frappe même pas. Avant de continuer la lachae, etc. On a déjà mentionné au début des premiers cours de Ram, que le Ram, ce n'est pas un livre dans lequel on tire des halakhot, les lois, comment se comporter concrètement dans la vie de tous les jours, parce qu'en effet, il y a des choses qui ne sont pas ramenées dans le Shulchan Aruch. Vu qu'on commence les lois de Shabbat, et dans les lois de Shabbat, il y a énormément de choses qui ressemblent, qui sont dans la vie de tous les jours, etc., que ça arrive tout une fois par semaine, donc je tiens à rappeler encore une fois qu'il ne faut pas tirer des halakhot, comment se comporter concrètement du Rambam. Des fois, en effet, c'est la halakha, c'est comme ça qu'on fait aussi aujourd'hui, mais des fois, ce n'est pas comme ça, donc il faut toujours se référer au Shulchan Aruch, au code de la loi juive, ou bien demander à un Rav, Comment on doit se comporter aujourd'hui pour toutes les choses qu'on va étudier dans le loi de Shabbat et ainsi pour tout le reste des choses du Rambam. Encore une chose, le Rambam va nous parler de certaines choses qu'on n'a pas encore appris. Qu'est-ce que c'est des choses qu'on n'a pas encore apprises Par exemple, on n'a pas appris c'est quoi les 39 travaux qui sont interdits. Il nous a parlé, c'est vrai, des choses que tu es chaya, des choses que tu es patour, mais on ne connaît pas encore c'est quoi ces 39 travaux interdits. On les apprendra plus tard. Bien qu'on les apprendra plus tard, le Rambam. Considère, a priori, comme si on connaît déjà certains, comme on verra dans les prochaines halachot, que le Ram nous parle de certaines choses qui sont interdites pendant Shabbat, alors qu'on n'a pas encore un, appris l'interdiction de tel et tel sujet, tel et tel sujet pendant Shabbat. Mais donc il nous en parle déjà. Alors à chaque fois qu'on en parlera, on dira un peu c'est quoi, qu'est-ce que représente ce travail, cette interdiction-là, mais de manière plus détaillée, tous les travaux de Shabbat, on les apprendra dans la suite. Donc maintenant, c'est le Rame nous donne des règles, mais quand il nous donne des règles, en même temps, il ramène des exemples. Les exemples sont basés sur les lois qu'on apprendra plus tard, sur les travaux qu'on apprendra plus tard. Hey, dvarim Le Rame nous apprend une notion qui s'appelle davar sheinu mitkaven. Quelqu'un qui fait quelque chose, qui n'a pas l'intention de faire. Et dans ça même, dans la on verra quelque chose qu'on n'a pas l'intention de faire qui se fait lorsqu'on fait un travail. On va voir un exemple dans quelques instants. Je fais quelque chose et il y a quelque chose d'autre qui va se faire il y a une manière que c'est permis dans la halakhavar on verra une manière comment c'est interdit cette notion là s'appelle un davar kaved, quelque chose que ce n'est pas l'intention voyons sur le texte Des choses qu'on a le droit de faire pendant le shabbat mais au moment où je l'ai fait c'est possible qu'il y ait un travail qui va se faire un hein, des 39 travaux qui sont interdits et peut-être le travail ne va pas se faire alors, il, si lui, en faisant ce qu'il a fait, il n'avait pas l'intention que ce travail se fasse. Eh bien, Rezem s'est permis. Comment ça Qu'est-ce que ça un exemple Un homme a le droit, qui se trouve donc sur la terre, la terre ordinaire, pas sur du goudron, sur de, un endroit qui est, qui est bétonné, qui a du béton, donc il est sur la terre. Il a le droit de tirer un lit, ou une chaise, ou une grande armoire, et c'est quelque chose de semblable pendant le Shabbat. Ou Bilva, à la condition, condition Qui n'a pas l'intention de creuser un sillon sur le parterre lorsqu'il est en train de l'étirer. Lorsqu'il est en train de tirer, ça peut faire un sillon, ça peut ne pas faire un sillon. Lui, il tire. Bon, peut-être ça va faire un sillon, mais ce n'est pas obligé que ça va faire un sillon. Il n'est pas sûr, peut-être ça va faire, ça va pas faire. Lui, ce pas son intérêt du tout. Lui, vu juste amener ce meuble ailleurs, eh bien, il a le droit de le faire. C'est pour cela, il En effet, ça a creusé un sillon. Et le choshesh bekar. Il ne craint pas, il dit Oh là là, peut-être j'ai transgressé, je transgresse l'amlacha, le travail qui s'appelle chosh, de labourer, de faire un sillon. Pourquoi il n'a pas de quoi craindre Le kaven, ce pas son intention. Un deuxième exemple un homme a le droit de marcher sur de l'herbe pendant Shabbat. Au bilva, à condition, il n'a pas l'intention. De détacher cette herbe. S'il avait l'intention de détacher l'herbe, c'est interdit parce que c'est par, parmi le, ça fait partie du travail qui s'appelle donc c'est-à-dire de cueillir. On a de cueillir. Donc cueillir, c'est détacher de sa source une herbe, une herbe ou quelque chose d'autre. Donc lui, c'est pas son intention parce que quand tu marches, ce n'est pas obligé que ça va enlever des herbes. Les figues, c'est pour cela. n'est ou si ça c'est oui, arracher des herbes. Et il n'a pas de quoi craindre d'avoir transgressé. Il n'a pas de quoi transgresser. Verochets. Encore un encore troisième exemple le Rame nous dit de il a le droit de se laver les mains avec de la poudre de, de fruits avec de la poudre d'herbes ou des choses semblables ou à condition qu'il n'a pas l'intention de dépiler ses poils qui a qui a sur, sur les mains les firas, c'est pour cela il m'nacha. si il y a des poils qui sont épilés et ne il ne, ne, il ne craint pas, il n'y a, a rien à craindre, il n'y a, a pas de soucis. Un quatrième exemple, le Rav nous dit une pirza de une, une brèche étroite. Donc, c'est très étroit. Est-ce que j'ai le droit de passer là-bas pendant Shabbat Si je veux passer, il risque d'avoir des cailloux qui vont tomber. Eh bien, moutardez-kanes la bécha, j'ai le droit de rentrer là-bas à travers cette brèche pendant Shabbat. Ah, falpi, chez Mashirzo, bien que je fais tomber des cailloux. Parce que ce n'est pas mon intention, je vais juste passer par là-bas, ce n'est pas obligé que ça va arriver, peut-être ça va tomber, peut-être ça ne va pas tomber. De même, toute chose que la personne fait, mais ce n'est pas son intention qu'il y ait une mlacha, un travail va se faire, qui gonze » comme l'exemple de ce qu'on vient de dire, Mutar, c'est permis. Donc là, on a vu ce qu'on appelle un davar chez Inumid le drame nous a donné quatre exemples des choses qu'on n'a pas l'intention de faire, et peut-être il y a quelque chose qui va se passer, et c'est permis de le faire. Parce que ce n'était pas mon intention. Maintenant, dans la ravav, on va voir quelque chose qui est dans le même esprit, mais pas exactement le même. Ce qu'on va voir, c'est la notion qui s'appelle psigrech, littéralement psy cest c'est-à-dire coupe la tête. Est-ce que je peux dire, je vais couper la tête, mais moi, mon but, c'est juste pour que mon enfant, il va s'amuser avec la tête, avec la tête de l'oiseau. Mais je n'ai pas l'intention de tuer. Alors, ça, c'est un exemple que je fais quelque chose. C'est aussi d'avoir chez de de ce n'est pas mon intention. Mais dans que je fais cette chose-là, c'est sûr que l'action va se faire. Ou si on veut se référer aux exemples qu'on a vus dans la halakhae, si je vais tirer un. Le ram ne ramène pas cet exemple. Si quelqu'un va tirer un banc qui est très lourd, et c'est sûr et certain que ça va se faire un sillon. Et dans un tel cas, ça aussi, un psy gréché. Et c'est aussi, aussi d'avoir chez un de Je n'ai pas l'intention, je n'ai pas l'intention de faire un sillon, mais concrètement, c'est sûr et certain. Le truc, il est tellement. L'armoire, elle est tellement lourde, c'est sûr et certain. Hein. Que ça va se faire ainsi. Donc, dans la l'archa la, précédente, on parle de quelque chose chez n'a pas l'intention. Peut-être ça va arriver, peut-être ça va pas arriver. Mais ici, dans la khava, on, on voit quelque chose qui fait quelque chose, bien qu'il n'a pas l'intention, mais c'est sûr que ça va se passer sur le texte. il a fait quelque chose. Et donc, ça s'est fait un travail. Que c'était évident que ce travail va se faire en conséquence de ce qu'il a fait. le de même lui, c'est pas son intention il est cherche un davaya parce que c'est évident chez hier cherche le c'est impossible que ce travail ne pas se faire ça? comment ça On donne un exemple achetzer ach le rosh le ainsi il avait besoin d'une tête d'un oiseau pour qu'un enfant va jouer bon un drôle de jeu mais en tous les cas c'est ce qu'il a besoin shabbat il a coupé donc la tête du de l'oiseau pendant le shabbat ah of bilvad bien que son objectif n'est pas pour tuer l'oiseau seulement. Khayav, il est chayav. Pourquoi yadu parce que c'est évident, chez Iev, et c'est pas possible de couper la tête du vivant et qu'il va rester vivant. Il y a la mort qui vient avec. Donc, il a transgressé la loi de shochet de Shrita, d'abattre pendant le Shabbat. Le se basait de même tout cas qui est semblable, que lui, il avait l'intention de certaines choses, mais c'est évident que la chose interdite allait se faire. Eh bien, c'est interdit de le faire. Halakha Zayn. Dans le prochain halakha, le Rama va nous apprendre une nouvelle notion. qui s'appelle une mlakha, le gouva, donc quelque chose. que Une mlakha, un travail, le gouva. Je n'ai pas besoin du travail lui-même qui est fait. C'est-à-dire, je travaille sur quelque chose, mais je n'ai pas besoin des conséquences qui vont se faire sur la chose elle-même. J'ai besoin d'une autre conséquence. Donc c'est une m'lacha le un travail. Je n'ai pas besoin du gufa m'lacha, du travail lui-même, mais des conséquences qui vont se passer ailleurs. Alors le Rame nous dit que c'est m'lacha b'shabat. Quiconque fait un travail pendant le shabbat. Afa le m'lacha. Bien qu'il n'a pas besoin de la m'lacha elle-même. Dorénavant on va arrêter de traduire le m'lacha pour tous les lois de shabbat. M'lacha ça veut dire un travail. M'lachot c'est des travaux. Donc bien qu'il n'a pas besoin... De l'amlacha elle-même. Chayavalea. Il chayav. Comment ça le un exemple. Allez, il S'il a éteint la bougie. Parce que c'est dommage. Il y a de l'huile. Il est en train de perdre de l'huile. Donc je vais éteindre la bougie. Comme ça, je vais gagner de l'huile. Quand j'éteins la bougie. Mon attention. Je n'ai pas besoin maintenant de la, la mèche de la bougie elle-même. J'ai besoin hein, de ce qui va se passer après. De l'huile c'est pas pas la mèche elle-même sur laquelle j'ai fait le travail que j'ai éteint ou bien il a éteint que de chez le le nerf c'est un, un réceptacle mais sinon que ça c'est un, un verre en argile ça, 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 ça s'appelle à l'époque on mettait donc, de l'huile à l'intérieur avec une mèche ça, ça, ça s'appelle le nerf donc le nerf il est en argile et si ça va continuer à, à brûler la bougie et, au final ça va abîmer donc ça va se brûler l'argile je veux pas donc moi ce que j'ai fait j'ai fait une mlaqa mais je n'ai pas besoin du Goufa M'Lacha, je pas besoin la M'Lacha, je n'ai pas besoin d'éteindre. Ce que je veux, c'est que ça ne va pas brûler mon verre, ou bien que je vais avoir de l'huile. Eh bien, Khayav, quand même, il est Khayav. Pourquoi Parce que éteindre c'est une M'Lacha. Et lui, il a éteint, et il a eu l'intention d'éteindre. Bien qu'il n'a pas besoin de l'action même d'éteindre. Cette action-là, il n'en a pas besoin, il a besoin de quelque chose d'autre. Lui, il a éteint pour l'huile ou pour son verre en argile. Il est chayav. Un autre exemple, le Rame nous donne. Quelqu'un a vu une ronce dans le domaine public. Les gens y marchent là-bas. Les gens risquent de se faire mal. Donc lui, il veut passer comme ça. Il envoie, il met de côté. Maintenant, le fait de faire avancer quelque chose de 4 coudées d'environ 2 mètres. Dans un domaine public, bien ça fait partie des 39 travaux qui sont interdits pendant le Shabbat. Lui, il a fait ça pour que les autres ne vont pas s'endommager. Il est quand même chayav. Le Rame donne un autre exemple, dans le même esprit. Celui qui éteint une braise, on a une braise, de, on a un morceau de bois, donc il est extrêmement chaud, une braise, et lui, il éteint. Pour quel est son but Qu'il est chez les comme pour la ronce. Son but, c'est pour que les gens ne vont pas s'endommager. Chayav, il est quand même chayav. il est le gouffre à Kibou, il est le gouffre à avara. Bien que lui, il n'a pas besoin de de qu'il a éteint, éteint il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin aussi de faire passer les quatre coudées dans le domaine public. Il en a pas besoin. Lui, tout ce qu'il voulait, la tout ce qu'il veut, c'est juste éloigner l'endommagement. Eh bien, Rizikhayah est quand même coupable. mais chenkol kayet se de même, tout cas, semblable. Chet. Le ram, maintenant va nous dire une série de halachot dans laquelle on va apprendre la notion que lorsque la Torah interdit la Torah interdit On apprend tous les travaux qui sont interdits, on les apprend du Mishkan, quand on a construit le tabernacle, à propos du tabernacle, il y a écrit que c'était un travail qui était fait de manière réfléchie. Donc on va voir que tout ce qui est la personne et la pensée, c'était bien son intention, et eh bien dans ce cas-là, il est chayav, si il n'y avait pas son intention, eh bien il est pas tout, comme on va voir de manière détaillée dans les prochaines halachot. « Chet »« Tout celui qui a l'intention de faire un travail »« Vinaset lo mlacha chet »« Chelonit il et c'est un autre travail qui s'est fait, mais ce n'était pas le travail duquel il avait l'intention. Eh bien, bien qu'il a fait un travail pendant Shabbat, mais ce n'était pas celui qu'il avait l'intention. Pas tout à il est pas Pourquoi Le fichelona, cette marche parce que sa pensée ne s'est pas concrétisée. Kitsad, comment cela Zarek Evan Ochetz Bachaveo. Il a lancé une pierre ou une flèche dans, dans son ami, a priori un très bon ami. Bon, quand on dit l'ami, évidemment, ça ne veut pas dire un ami spécialement, c'est dans, dans quelqu'un d'autre. Obabehema » ou bien. Dans un, sur un animal, il a jeté cette pierre ou la flèche, que de l'organe pour les tuer. Tuer son ami ou bien son ami, c'est un autre, un être humain ou bien un animal. Et c'est parti, la, la pierre ou la flèche. akar ilan En allant, ça a déraciné un arbre. Ça n'a pas tué. Donc ici, on a le fait de tuer un animal qui est le travail de Shrita, shuret qu'on a vu tout à l'heure, d'abattre un animal. Et on a. Le travail de déraciner, qui est interdit aussi donc pendant le Shabbat, de cueillir, de déraciner. Non, lui, il n'a pas fait ce qu'il voulait faire, tuer. Mais il a fait quelque chose d'autre. Il a déraciné un arbre. Arrêtez pas tôt, il est pas Donc, bien, donc il a fait ici deux travaux, bien qu'il avait deux travaux, mais vu qu'il avait l'intention de faire celui-là et pas l'autre, bien que l'autre, il s'est fait, il est pas tôt. La on a entendu de cela, n'y aura plus votre raison. Il me dit, c'est l'intention de faire une interdiction qui est grave, qui est légère, et il y en a une plus grave qui s'est faite. Qu'est-ce que comme par exemple C'est un domaine que les sages ont interdit de porter là-bas. Les détails de ça, on apprendra plus tard, mais c'est quelque chose qui est interdit uniquement par les sages de porter dans un carmélite. Donc lui, il a eu l'intention de jeter dans un carmélite. Mais la pierre, elle n'est pas partie dans le carmélite. Donc lui, il avait l'intention de faire quelque chose que l'interdiction, c'est seulement, seulement entre guillemets, que les sages ont interdit, seulement des rabananes. Et concrètement, ça s'est fait un travail qui est interdit de la Torah, parce que c'est passé dans le Royaume-Uni dans le même public. Chaux pas tour, à plus grande raison qu'il n'est pas tour. Parce que si déjà, il avait l'intention de faire un travail que la Torah interdit, et ça s'est fait un autre travail que la Torah interdit, il n'est pas tour, À plus grande raison. S'il si voulait faire un travail des rabananes, c'est fait un travail de la Torah, qui n'avait pas du tout l'intention de faire le travail de la Torah, c'est sûr qu'il est pas tôt. Le quand de même, tout cas semblable. kaven la Maintenant, s'il avait l'intention de faire quelque chose. Donc, le renne va encore plus loin maintenant. Troisième étape dans cette Si S'il avait l'intention de faire quelque chose qui est permis. Il n'y a aucun souci de faire. C'est pas. Au début de l'alakh, la il avait l'intention de faire quelque chose qui est interdit de la Torah. Après, deuxième étape, il parle de quelque chose qui est interdit des rabananes. In. Maintenant, il parle de faire quelque chose qui est permis. Et un mla'ka, un travail s'est fait. Par exemple, il avait l'intention de couper quelque chose qui est déjà coupé. Il y a une carotte qui, qui, qui est coupée, lui, dans sa tête. Elle était coupée. Mais à la place de ça, il a coupé ce qui est encore rattaché à la terre. Et il est chayav de rien. Il s'est basé de même, tout cas, qui est semblable. Tête. Le ram continue dans l'esprit de ce qu'on a dit, donc un travail, donc une quelque chose qu'il a, qu a personne est ce qu'elle a pensé il n'a pas pensé est-ce qu'il est, qu est ou pas tête une c'est il a l'intention de cueillir des figues noires mais il a pas il a pas pris des figues noires finalement il a pris des blanches Encore cave plus que ça lui il voulait avoir des raisins et des figues mais il voulait un certain ordre il voulait d'abord prendre les raisins et après prend les figues Venez par khadara ça s'est changé. s'échange velikata temimatriya wa kanavim et par erreur il a pris d'abord les figues et après il a pris les raisins pas tout afan bishil ket koshek hashab bien que finalement il a accueilli tout ce qu'il voulait mais oh il vno likat kaseder shekhashab plus puisqu'il a pas cueilli dans l'ordre qu'il a pensé pas tout c'est pas tout pourquoi shelo asator la menakha machavet atora l'interdit bleghet machavet umlakha donc de la personne a pensé dans l'ordre que la personne a pensé bon, Yud Imaginons quelqu'un hein, Il avait devant lui Deux bougies Que ce soit deux bougies allumées Ou deux bougies éteintes Et lui donc il avait, On parle de deux qui sont éteintes Et qui sont allumées pardon Il a voulu éteindre la bougie numéro 1 Et il a éteint la bougie numéro 2 il a dit il voulait, ou bien qu'il voulait, les deux étaient éteintes, et donc il voulait allumer la bougie numéro 1 et la bougie, il allumait la bougie numéro 2. Pourquoi Parce que le travail qu'il voulait faire a été fait. D'allumer la bougie, ça a été fait. Le Pour ne concrétiser plus cette idée des deux bougies, et que finalement son travail a été fait, ça ressemble à le Michel le Quelqu'un qui voulait une figue, par exemple une figue blanche, il voulait une figue blanche. Et à la place de prendre cette figue numéro 1, elle a pris la figue numéro 2. Ou le Kamen, la la Bien quelqu'un qui a voulu eh, tuer un animal, il a tué l'autre animal à la place. Mais ce qu'il voulait, lui, c'était, ça change pas, c'était mouton, ce mouton-là ou l'autre mouton. Il voulait celui-là, ils ont la même couleur de peau, donc il voulait celui-là ou un autre. Bien, s'il a tué, <t 'en> pourquoi? l'âme <t 'en> l'amlakha qui voulait faire, c'était d'allumer. Il a allumé. L'âme qu'il qui voulait faire, c'était éteindre. Il a éteint. L'âme qu'il qui voulait, c'était de cueillir telle chose. Il a cueilli telle chose. Il voulait tuer telle chose. Il a tué telle chose. Yudalef. aval, mais il me dit, c'est l'intention de faire quelque chose dans un ordre. Imaginons donc quelqu'un... Hein, il y a une bougie qui est allumée et une bougie qui est éteinte. Non, quelqu'un quand il a des bougies qui sont allumées, disons il est dans l'obscurité. Lui, il veut toujours rester dans la lumière. Donc il a fait dans sa tête il a dit, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais allumer la bougie qui est éteinte et après je vais éteindre la bougie qui est allumée. Ce qui est logique. Comme ça il aura toujours une bougie qui est allumée. Vena pachadava. Ça c'est inversé. Et d'abord il a éteint. Donc il s'est retrouvé dans l'obscurité. Et après, il a allumé l'autre bougie. pato et les patour. Mais non imaginons que Kibazo vehidlizo bin shima Lui, il voulait toujours rester dans la lumière. Donc il voulait d'abord allumer celle-là et après éteindre l'autre. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a éteint et il a allumé au même instant. Bin que... shima était littéralement, c'est le même souffle, mais à dire au même instant. Eh bien, Khayav, il est Khayav. Est... Pourquoi il est Khayav A priori, on peut dire que sa pensée n'a pas été faite. Non! C'est vrai qu'il n'a pas allumé avant, avant d'éteindre. Mais il n'a pas non plus repoussé la hadlaka. L'allumage ne s'est pas fait plus tard non plus. Et la hadlaka, les deux en même temps, il est toujours resté dans la lumière. C'est pour ça qu'il est chayav. C'est tout ça il basé de même. Tout cas semblable. L'Araham nous dit, tout celui qui fait un travail en étant mitasek. Mitasek, c'est-à-dire... Qu'il avait l'intention de faire un travail, mais il y a un autre travail qui s'est fait à la place de celui qu'il avait l'intention. Vélodie Kavena, mais il n'avait pas l'intention de faire celui-là, eh bien, pas tout. You'd bet. Quiconque a l'intention de faire un travail, al il s'est fait encore plus de ce qu'il avait l'intention, il est khayab, ce qui est logique. Puisque son travail, ce qu'il avait l'intention de faire, c'est fait. Non, il y a du plus, il y a du plus. Mais par contre, si ça s'est fait moins de ce qu'il avait l'intention, pas tout. Il n'est pas tourné. Ketsan, Ram, nous en donne un exemple. Comment ça Quelqu'un, il portait quelque chose et il voulait le porter donc, derrière lui. Donc ce n'est pas devant lui, donc c'est pas si bien gardé. Ou le fanav. Mais ce sac, par exemple, qu'il portait derrière lui, son dos, il s'est retrouvé devant lui. Khayav. Il est Pourquoi Lui, il avait l'intention de faire une garde qui est médiocre. Pas si bonne que ça derrière. Il y a une garde maintenant, il a gardé ce sac par exemple, mais il a gardé encore mieux même. Donc la garde a été faite encore mieux de ce qu'il pensait. Donc le travail que lui voulait faire, la garde médiocre, a été faite. N'oublions pas qu'on n'a pas encore bien enseigné ça, mais les Hotsis, parce qu'on n'a pas le droit de faire sortir quelque chose d'un domaine privé à un domaine public, on n'a pas le droit de, de porter dans un domaine public même quelque chose qui est déjà là-bas. Donc lui, il a, on parle de quelqu'un qui a. Porté dans un domaine, d'un domaine privé, un domaine public, dans le domaine public. Dans ces cas-là, donc, il voulait faire quelque chose d'une certaine manière, c'est encore mieux qu'il voulait porter dans la rue Shmira Pruta, donc une garde médiocre, c'est fait encore mieux. Ah, le fan Si, lui, il voulait, il avait l'intention de faire sortir le sac, par exemple, donc devant lui. ou Laharab, ça s'est retourné, c'est parti derrière lui. Il n'est pas tout. Pourquoi, Sharadnit Kavellotzi, Bishmira Lui, il a voulu. Sortir cette chose-là avec une garde extraordinaire, c'est bien gardé. Votibishu Amouta finalement s'est sorti avec une garde qui est médiocre seulement. Donc son travail, son intention qu'il voulait le faire n'a pas été fait. Il y a moins que ce qu'il voulait qui a été fait. Et de même, tout cas semblable. Yud Gimel, Hayachagobesina, s'il était sain avec une ceinture. Il a coincé comme ça ce le, qu'il le portait entre sa chair. Et la, la tunique, donc le vêtement qu'il a. Donc, dans ce cas-là, ça peut tourner. S'il met ici, ça peut tourner. Il le met devant, ça peut aller derrière, ça peut aller devant. Alors, que ça ce soit, que cette chose-là qu'il a pris, et c'est la manière de le sortir d'une telle manière, de le mettre, de le mettre à l'époque, c'était la manière de mettre des choses comme ça, peut-être aujourd'hui aussi. Donc, comme ça, il a coincé entre son vêtement et, et la ceinture. Donc, vu que c'est tout à fait normal que... Ça, ça tourne, ça peut être des fois devant, des fois derrière, eh bien il est raïav, dakol yot parce que c'est l'habitude que ça va tourner quand tu mets quelque chose comme ça, et tu marches, tu avances, ça bouge. You dalet. shabbat. Tout celui qui a l'intention de faire un travail pendant shabbat. Dans le rabbin va nous parler donc de la quantité qu'il faut faire pour être raïav. Pour être Alors attention quand on dit la quantité, les quantités exactes, on va l'apprendre plus tard. Le Ram nous dit quelque chose de général en ce qui concerne ces quantités. Quiconque a l'intention de faire un travail pendant Shabbat, il a commencé. Il a fait la quantité, qu faire, qu fait la quantité qui le rend chayav, et bien il est chayav. Même si lui il voulait faire plus dans son intention, c'était de faire plus. Donc tu aurais dit peut-être plus que son intention c'est de faire tant et tant. S'il n'a pas fait la quantité, il ne serait pas chayav. On te dit non. On va me donne un exemple. Comment ça Il a voulu écrire une lettre ou un contrat pendant le Shabbat. Okay? Imaginons que dans le contrat il y a dix lignes, dans la lettre il y a dix lignes. Alors, on ne va pas dire, on va dire, il ne sera pas coupable. Tant qu'il n'a pas fini ces dix lignes, il va écrire toute la lettre, tout le contrat. Non, on ne dit pas comme ça, ça veut quoi. Dès qu'il va écrire deux lettres, qu'on apprendra plus tard que ça c'est la quantité donc, il faut, pour écrire et être Hayav, ces deux lettres, eh bien, il sera Hayav. De même, si vous voulez coudre tout un vêtement, eh bien, dès qu'il va coudre deux fils, il sera Hayav. Parce que ça, on apprendra que ça, c'est la quantité pour être hashlim. Bien que lui, il a l'intention de finir ce vêtement. Donc, tu vas dire, ah, il n'est pas encore transgressé. Le travail de Ktiva, d'écrire... Tant qu'il n'a pas tout écrit, il n'a pas transgressé le, la mlacha de hariga, de coudre, tant que la patou cousu, on dit non. il va bekavana, du moment où il a fait donc la quantité qu'il rend khayav, qu'il rend coupable, bekavana, avec l'intention, intentionnellement, khayav. c'est basé de même, tout cas semblable. Tedvav. Dans le même esprit de ce qu'on vient de voir, dans le même esprit, dans le sens, est-ce que j'ai la quantité ou pas Kolm la je' que je peux faire quelque chose tout seul. On a fait à deux. Il y a deux manières maintenant comment on peut faire quelque chose à deux. Ou bien qu'on a fait moitié-moitié, ou bien qu'on a fait ensemble. Alors là, nous donne d'abord l'exemple de ce qu'on a fait moitié-moitié. Quelqu'un a fait un peu, l'autre l'a fait un peu. Quelqu'un, comme par exemple. Que l'un a pris un objet d'un domaine, il l'a mis dans un autre domaine. On a parlé tout à l'heure du domaine privé et du domaine public. On apprendra plus tard qu'il est interdit de porter d'un domaine privé à un domaine public. Maintenant, pour porter quelque chose d'un domaine à un autre domaine, il faut faire ce qu'on appelle la akira, donc lever la chose du domaine privé et faire une Hanaka, poser la chose dans un domaine public. Si je fais que la akira, la Torah n'interdit pas ça. Si je fais que la Hanaka, mais pas la akira, quelqu'un d'autre a fait la akira, eh bien la Torah n'interdit pas ça. Donc maintenant, imaginons que quelqu'un se trouve dans un domaine privé, et il a fait la akira. Quelqu'un d'autre l'a pris dans le domaine public, et l'a posé dans le domaine public, il a fait la hanacha il l'a posé. Eh bien, ils ont fait un travail à deux. Donc, comme on verra, qui sont dans la fin de la hanacha qui n'est pas tout. Ou bien, deuxième option, comment on peut faire la chose à deux, ben, Ou bien, qu'on a fait un travail ensemble, du début jusqu'à la fin, qui gagne comme par exemple, ba Les deux, ils ont pris une plume, et ils ont écrit. Pendant Shabbat c'est d'écrire. Les deux, ils ont écrit ensemble. Écrire, on peut écrire tout seul. Ou bien encore un exemple, le dit Ils ont pris un pain à deux. Un pain, tu peux porter tout seul. Ils l'ont porté à deux et ils l'ont sorti. Dans un domaine, un autre domaine, un domaine privé, public ou public au privé. elup ils sont patour. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait cette mnachala à deux compte Si en effet ils ont fait un deux, à deux, mais tout seul personne n'aurait pu le faire. Achit stafou, ils sont obligés de s'associer pour le faire. Kegod, par exemple. il y a une poutre, une grande poutre qui est lourde, lourde, et je ne peux pas la porter tout seul. On peut le faire qu'à deux. Et les deux, ils ont sorti dans le domaine public. Oh, puisque un tout seul, il peut pas sortir cette poutre là. Ve Ils l'ont fait, ils étaient associés, ils l'ont fait ensemble du début jusqu'à la fin. Les deux sont khayav. La quantité d'un travail, c'est pour les deux. Donc il y a l'exemple qu'on vient de dire ici. donner un autre exemple qui est ramené ailleurs. Donc, par exemple, imaginons, il y a aussi un travail qui s'appelle tsad, de chasser. C'est interdit de chasser. Imaginons, on fait rentrer un cerf dans une maison, on va dire dans un entrepôt qui est assez petit. Et donc on a fait rentrer là-bas un cerf. donc on a chassé un animal. Non, imaginons que devant la porte, pour bloquer la porte, il faut deux personnes. Il faut, je me mette, et aussi quelqu'un d'autre aussi, à deux on va réussir à bloquer la porte. Alors on ne va pas dire, ah, il n'y a que un animal qui a été chassé ici, donc ils ne vont être pas tous, ou un, deux va être pas tous, non. On dit même s'il y a une seule quantité, il y a une seule, une seule avéra qui a été faite, une seule transgression de tsad, un seul travail qui a été fait. Mais ce, un seul travail doit être fait par deux, vu qu'il doit être fait par deux, et bien les deux, ils sont trahiables. Donc ça, c'est un exemple que le rame ne ramène pas ici. L'exemple que le rame maintenant comprend aussi, ça, peut être, ça rajoute plus dans, dans la compréhension de ce que le rame nous dit ici, que si les deux, ils ont pris une poutre, et bien quand ils sortent d'un domaine privé à un domaine public, porter une poutre, poutre c'est interdit, bien qu'il y ait une seule poutre ici, Eh bien tu dis, vu qu'ils sont obligés de le faire à deux, bien ils sont trahiables. A ya korbe halotzi korazolevado vashem, n'y a korotzi alvado. Maintenant, imaginons cette poutre là, il y a quelqu'un qui est très costaud, il peut la prendre tout seul. L'autre, il peut pas la prendre tout seul. V'nish tat fouchta v'tzi wa, mais on sorti à deux. A zesh ya kol celui qui peut la sortir tout seul, lui il est khayav. V'e a shemi, il met le deuxième, mais ça y est, ou il est seulement en train d'aider le premier qui peut la sortir tout seul. Ou mais ça y est, il est khayav, celui qui aide, il n'est khayav de rien. Donc, le ça y est, celui qui aide, est n'est par contre, celui qui, est, celui, celui qui fait le, celui qui a porté, lui, il est... Celui qui peut tout porter tout seul, eh bien, il est khaya. Yudzayin. Le ram, maintenant, va nous dire... Dans la il y a deux catégories de mekal de quelqu'un qui agit de manière destructive. Kola kelim turim. Tous ceux qui agissent de manière destructive, ils sont pas tours. Qu'est-ce que ça Comment ça Si il a blessé son ami ou bien un animal et pour but de manière destructive. Pas par colère, ça on apprendra plus tard, si c'est par colère. Il y avait juste pour détruire, pour abîmer, blesser. De même, même, même s'il si a déchiré des vêtements, au srafan, s'il si a brûlé des vêtements, au sharaq a casser des ustensiles, der khashata de manière destructive. pas patour, il est patour. De même, même s'il si a creusé un trou, il n'a pas creusé pour faire un sillon, le travail de labourer. Lui, il a creusé uniquement parce que il veut la terre qu'il va enlever de là-bas. Il n'y a pas de travail d'enlever de la terre. Donc lui, son intention, c'est d'enlever la terre. Il est mécalquel. Il abîme, détruit, ou pas il est pas tôt. Ils ont fait un travail. Le travail, c'était celui qui a brûlé, ou celui qui a fait le trou. Il a fait un travail. Mais oh, il veut kavanatan Vanatan, le kalkel puisque leur intention c'est de détruire tout où ils n'y sont pas tous. Par contre, quiconque, il est détruit pour arranger qu'est-ce commence à ça, il a détruit pour construire à cet endroit-là. Il n'y a pas juste une destruction ici, il faut voir de manière plus profonde, il y a une construction. Ou bien qu'il a effacé pour pouvoir écrire à l'endroit où il a effacé. Il avait besoin du papier, il a, il a effacé cet endroit-là. O Shekhafar Gouma, que de le betochaïs, ça doit tout bien, qu'il a creusé un trou pour. Dans ce trou-là, il va faire des fondations pour construire une maison. Vechon, que le s'est basé de même tout ce qui est à ça. Chayav, il est chayav, vechihuro, la quantité. Combien il veut le chayav, que shihuro mettaken, comme la quantité qu'il faut pour pouvoir arranger à cet endroit-là. Yutet, kolo, sembla, rabe, shabat, tout ce qui fait un travail pendant le shabat. Gaga, partiellement, il a fait, sans faire exprès, Mitzatabé Zadon, partiellement, il a fait volontairement. Donc, une partie involontairement, une partie, il a fait exprès. Ben, chez shag, ça soit qu'au début, il a fait exprès et à la fin, il a fait sans faire exprès. Ben, chez Shagagurubassov, soit que c'était au début sans faire exprès et après en faisant exprès. Pator, il est Pator. Acheyase, bezadon. Il faut qu'il fasse tout le travail du début jusqu'à la fin, intentionnellement, volontairement. Fait ⁇ Ah, ⁇ Karie Khayav ⁇ Karetuski ⁇ il qu'il sera Khayav ou bien de retranchement, bien d'être lapidé, ou bien, bien qu'il l'a fait de début jusqu'à la fin involontairement, et après il sera Khayav d'un khatat fixe d'un sacrifice expiatoire. Pour conclure, avec un mot de Khassidou, on a commencé les lois de Shabbat. Les lois de Shabbat, on les fait, on les apprend parce que Dieu, il a travaillé pendant six jours de la semaine. Le septième jour, Dieu s'est reposé. Donc nous aussi à Kadosh nous a demandé de travailler pendant six jours. Le septième jour, on se repose. Qu'est-ce que représente le fait que Dieu s'est reposé Dans la Chassidou, c'est expliqué. Que Dieu, il a créé le monde avec la parole. Et le jour du Shabbat, la parole c'est élevée, reparti à sa source. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu n'a pas de parole. Le, la parole de Dieu, cest que Dieu il est en train d'amener une lumière divine dans ces mondes. La parole est plus limitée que la pensée. Lorsqu'on dit que Dieu se repose, comme nous quand on se repose, qu'est-ce que ça veut dire que les forces... Qui sont en train constamment d'aller et faire agir, repartent à leur source. La même chose aussi, Dieu il a créé le monde avec la parole pendant toute la semaine, avec le nom de Elohim, Breshid bar Elohim akadoshboch, Dieu il a créé le monde, il a avec des tzimtzumim, avec des limites, etc., avec la parole. Mais lorsque ça arrive le jour de Shabbat, on dit va yécha l'Elohim, c'est fini Elohim dans le sens qu'il n'y a plus maintenant de limites. Tout qui s'élève, le monde s'élève, le monde entier arrive à un niveau qui est plus haut et on se retrouve devant Hachem. Mais on se retrouve devant Hachem, devant en plus Yud Shabbat la vaille lokecha. Shabbat qui est pour yud ke lo Donc pour Dieu, on se trouve devant Dieu, à un niveau qui est beaucoup plus haut. Et bien à ce moment-là, on te dit là, il ne faut plus travailler, on n'est plus dans les limites, on est au-delà de toutes les limites. Et c'est le moment d'ouvrir tes yeux et t'attacher à Hachem en faisant le Shabbat, en bénissant le Shabbat, en faisant le Onnek Shabbat, le plaisir du Shabbat, aussi bien matériellement que spirituellement, rajouté dans l'étude de la Torah et dans la prière. Et par cela, amener ma now. Excellente journée.